Oh non, ta mère, montagne et nomade sur mon cadavre. Non, c'est des couilles qu'on s'en branle. Quand on va faire du ranked que ça va devenir solide. De toute façon, il y a plein de monde au fond du couloir. Il y a plein de monde au fond du couloir. Enfin, sauf pour moi. Allez, Alex. Mais non, mais t'es quoi? Waouh. La place de la femme, c'est pas au garage. La place de la femme, c'est dans le vestibule. Prends ton oncle pendant les réunions de famille. Tu vas travailler, hein. À 7 ans, j'étais déjà au charbon. Il pète un câble tout seul. Pour faire des batteries au lithium. Mon grand-père qui murmure là quand il dort. Cafa, quoi te donner? Cafa. Abi Benten, Cafa. Non, pas lui. Avec sa langue de clodo là. Non. Il est là, la sortie, je l'apprécie. Il est blessé. Il est dans le coin. Tu sors par la porte qui est là et tu rafales le coin direct. Bien joué. Allez, bro. Les infos, les infos. Cette victoire, je la dédie à Dieu le Père qui m'a fait goûter de la pâte à tartiner avant de faire la partie. C'est moi qui ai récolté le cacao. J'ai récolté le caca et ça coupe en vrai. Alors je suis allé, attendez, hein. 50 pays du monde ont été représentés comme s'ils étaient des humains à l'aide d'une IA. Ok, est-ce que vous avez vu le Madagascar, ok? C'est bon pour vous? Non, 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 catastrophe. Oh, ils sont trop forts. Oh, ils sont trop forts. Oh, mes cheveux. C'est trop. Je suis gominé et crépus là. Oh, si c'est gourmi. Oh, Lia, tu dis Madagascar, elle pense. Mais oui, non, mais vraiment, Lia a pété un câble, genre. La France, c'est une blondasse avec un drapeau de la France avec les yeux bleus. L'Italie, c'est un BG avec en fond des maisons colorées. Et Madagascar, c'est un putain de lémurien, sa mère. Et la différence entre la France, l'Italie et le Madagascar. Oh putain, mais moi je serais le Madagascar, mais je porte plainte en fait. Oh, c'est crasse. Il y a l'autre pays qui était comme ça, genre pas. Il y a pas l'autre pays qui s'est fait genre pas respecter comme Madagascar. Je pense que c'est impossible de se faire aussi peu respecter que Madagascar. Hein. À moins que genre ils prennent le Congo et qu'ils mettent vraiment juste une banane au sol, je vois pas comment on pourrait faire pire. C'est une photo d'une banane. Ou juste genre d'un Malteser. Attendez, le Vietnam. Oh, le Vietnam, ils sont cran 70, ce fils de pute. Oh, le Vietnam est caché dans la forêt, là. Oh, le Vietnam, c'est encore l'air des Khmer rouges, sa mère, la pute, c'est n'importe quoi. C'est grave. Oh, Lia en roue libre. Oh, Lia qui va se faire débrancher, mais dans 2 jours. En vrai, là, je descends et je vois pas Madagascar, donc j'espère que c'était un fake. Oh, c'est pas fake. Mais ça n'a pas de sens en fait. C'est tous des portraits et après d'un coup t'as un fond de désert avec un lémurien. C'est incroyable. Ah, la phrase, c'est des portraits, lui c'est un lémur. Alors à part la Mongolie, où la Mongolie littéralement c'est un alien le bail. La Mongolie, je sais pas pourquoi il a des cornes le bail, donc ouais il est stylé, mais les Mongoliens j'espère qu'ils sont pas comme ça, hein. On dit pas Mongolien, on dit Mongol, fils de pute. T'as vraiment dit Mongolien premier degré? Putain, regarde, tu t'en cul, je te baise. Continue. Je t'écarte les fesses et je crache dedans là. Ouais, bon tranquille là. Oh, bah tu m'as dit continuer. Ouais, bah y'a des limites quand même. Mais tu vas devenir mon Onaol en fait, connard. Mon quoi? C'est pas genre, tu sais pas ce que c'est. Non, je ne sais pas ce que c'est. Je connais Glory Hall, mais je connais pas One for All là. Je suis désolé, je connais pas. Hein. Cuisiner la petite dans une bonne soupe là. Déguster la jambe de la petite avec un peu de poulet. Susauter le moignon. Rouger ses ongles. Rouger ses ongles. Déguster la petite, croquer la petite, bouillir la petite. Bouillir la petite. Mariner la petite. Mariner la petite. À feu doux la petite. Well done. Tengo la camisa negra. T'as dit quoi là? Tu m'as traité de quoi? On t'a tous entendu. En fait, c'est un homme. Elle est de quelle couleur ta chemise? Bah, negra. Je peux pas. Non, vas-y. Y'a pas un perso noir que je peux prendre volontairement juste pour qu'il culpabilise? Tiens, voilà, tiens. Bon, t'es fier là? T'es fier? Capitaine! Redis-moi ça droit dans l'œil là? Dans l'œil, il a dit. Madame, on m'a acheté des chaussettes polaires. Et du coup, c'est trop bien parce que j'avais froid au pied. Mais vu que j'ai juste froid au pied, bah, du coup, je suis en caleçon.
caleçon et en chaussette. Oh le mec, caleçon, chaussette, claquette là. Mais une casquette avec. Oh, il te faut la banane avec. Hein. Alors je l'ai la banane. Hein. Elle est dans le pantalon si tu vois ce que je veux dire. Je l'ai la banane. Il est sur mon visage et dans le slipos. Et dans mon ventre et dans le slipard. Il y en a une qui est plus grosse que l'autre, mais bon. Deux bananes. J'en ai une jaune et une noire. Mais c'est pas parce que. Je suis un zizi de chinois et une banane pour avant. J'appelle mon sexe la banane parce qu'il est crochu. Et qu'il faut l'éplucher. Oh putain. Le mec qui fait la queue pour entrer aux toilettes, il arrive pas à tenir, il se chie sur plein. Attends, mais moi j'ai une anecdote comme ça du collège. Il y avait une fille qui était. Bah ça lui a ruiné sa réputation jusqu'à la 3ème. Mais il y avait une fille, elle était en classe d'art plastique et elle voulait faire caca. Oh, et genre, elle levait la main, la prof elle la voyait pas, c'était une borne qui avait un œil de verre. Genre au bout d'un moment ça pue la chiasse en fou. Oh non. Elle pleurait. Oh non. Et les gens ils ont fait ça va. C'était chier dessus. Oh genre. Non. Le prof c'est Itachi. Elle a trop utilisé son Sharingan. Itachi dessus. Itachi dessus. Oh la pauvre mec, c'est terrible. On s'est fait peur mais on les a fumés. À la Khamsa Mokaya. Non. Sus carba de pute. Oh putain. Un peu violent, je vous l'accorde. Je crois qu'il faut dire Naraden Mouk, je crois, juste avant de briser le tour. Non. Il me semble. Tu lis ça sur Imam Magazine. Canal, ça dégage ça, Mir, non ? J'ai dégagé Canal. On va arrêter sur Canal. Allez, yes. Oh le gosse, ce qu'il prend. Il se relève. Ah ouais. Oh, le gosse qui se fait stage breaker là par une bagnole, what the fuck. Oh le gosse, non mais attends, mais c'était affreux. Oh, il a rien. Le gosse il se fait stage breaker. Hein. Elle a rien. Mais elle a rien, c'est miraculé. C'est miraculé. J'espère que Thomas peut rejoindre. Alors. Oh, oui. Mais à quel moment la gamine elle se relève en mode. À quel moment elle a rien. Non, mais c'est Shazam le gamin, c'est. Mais. C'est Shazam. Mais même le daron, il s'en bat les couilles, il la ramasse et il se casse. Elle traverse les murs quand ils se prennent des lourds trop forts dans les mangas, tu sais, il se relève, il fait ah ouais, c'est ça la puissance. Ah ouais. C'est la première fois qu'un adversaire arrive à me faire saigner. C'est ça, si il se relève, il fait Sokka. Sokka. La gamine elle s'est relevée, elle a regardé le conducteur, man. Ça commence enfin à devenir sérieux. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Oh putain, je sais. Du sang. J'ai le premier à avoir fait saigner depuis 13 ans. Exactement. Oh, c'est trop. Oh, l'autre, il est dead dans sa bagnole. Une caméra cachée. On t'apprend en quête, petite. Et là, t'es un daron. T'es assis tranquille sur ton tel et tout. Et tu fais, tu veux manger une crêpe et BAH. J'ai écouté ma image. Oh, juste pour rire qu'il part en couille, tu sais. Rémi Gaillard. Rémi Gaillard dit 9-11. Salut, je m'appelle Johnny Knoxville. Et aujourd'hui, c'est Jackass. Il passe l'éclat de ses commandes du maternel, tu sais. Are you okay, little girl? Oh, shit, man. Shit, that hurts. Meatbuster, ça prend en couille. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe quand on met un enfant dans une moissonneuse batteuse. Salut, c'est Meatbuster. On va voir si le 45 SCP passe à travers les murs de salle de classe. Combien de balles faut-il pour atteindre le centre d'un nouveau-né? Le centre d'un nouveau-né. Mais t'as jamais vu les vidéos genre How many leaks to get to the center of a Tootsie Pot? C'est pareil. Combien d'avions pour faire chuter les tours jumelles? On a eu la réponse. Ça commence à partir un peu trop loin. Bah aucun, vu que. Non, là je vais m'arrêter. Vu que c'est comme sur la lune, on n'y est pas allé. Non, mais avec des explosifs en fait, je vais m'arrêter dans mes rêves. En fait, les tours jumelles n'existaient pas. Hein. C'était que du CGI. C'est trop de ça. Ils ont essayé de faire retourner le premier Avenger, ça y est pas. Attendez, là je regarde la vidéo. Le daron en fait il n'en a rien à foutre de sa fille, non? Mais oui, il la ramasse et il se casse. Aucun réflexe, hein. Non, mais de base, quand la bagnole arrive, son réflexe c'est de se barrer, sa fille il en a rien à foutre. Il a bien raison. Là elle s'en bat les couilles, elle se relève. En plus le chauffeur il est en mode oups, il s'en bat les couilles, il sort pas de sa bagnole, il en a rien à branler. Lui il est juste en mode tain, la caution, fait chier. Ouais, tain, fait chier quoi. Tu sais, il y a le torse d'une gamine de 6 ans encastré sur le pare-brise de votre Volvo. Ouais. Tain, je viens de la laver là-bas. Ça va Thomas? Ça va mon frère? Oh du coup là je t'ai vu te faire répulsion céleste vers les PC. Et qui se relève, il a l'arrière de la nuque qui saigne. Ta gueule.